Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Battle Sector. Alors, on se retrouvait à la fin de notre tour, je crois. On n'avait plus personne à jouer, c'est ça. On avait commencé à avancer un petit peu sur deux flancs. On va voir si c'était une idée de merde ou pas. On avait envoyé Sir Verity pour commencer à nettoyer ça. Je sais pas si je vais peut-être changer d'avis et envoyer quelqu'un d'autre parce qu'elle est quand même plutôt utile avec ses buffs là et sa foi et fureur. Mais bon, elle avait pris un peu cher, donc on verra, peut-être que les Inceptors un petit peu endommagés, là, on va plutôt les envoyer faire leur petit tour, en plus ils pourront revenir vite avec leur réacteur. En attendant, on va déjà passer le tour, voir comment ça se passe. On a pas mal de surveillance, enfin, en tout cas, sur l'autre flanc. Alors là, attention. Ouais, eux, ils font hyper mal toujours, ça ne change pas. Ici par contre, ça va déclencher de la surveillance. Bon, deux presque morts, c'est pas si mal. Bon là malheureusement, on est un petit peu gêné. Bon, ça c'est fait. Il reste cela, je vais tirer là-dessus, ok, c'est pas très grave. Notre petit char malheureusement ne s'est pas déclenché. Allez, tape. Bim. Bon, eux ils ont douillé. Oula. Hop là, ça sera mieux. Ouais, ça arrive en masse ici quand même. Hein. Et en plus, il y a eux qui font un petit peu chier à l'arrière. Ok, alors là, il y a peut-être moyen qu'on se les fasse juste eux assez simplement. Toi, t'as un bolter. Alors déjà, nos Inceptors... Ouais, voilà, il y a un petit peu trop de monde devant, là, malheureusement. Ici, on pourrait se propulser là pour balancer un petit peu de lance-flamme dans le tas. Ça pourrait être une possibilité. Bon, par contre, ils sont plus que 3 et ils sont dans le mal. On a aussi des intercesseurs. On a quoi là? Du Ternagant, du Ternagant, du Ternagant. Encore du Ternagant. Oh, ok, alors on va faire ça du coup. Vous venez là. Ok, toi. Perforation d'armure supplémentaire. Je pense que tu vas le mettre sur cela. Et tu vas mettre un petit coup de tronçonneuse là-dedans. Avec le revers, il en tue deux. Ici. Allez, vous êtes que trois, mais faut les tuer. Pas tout à fait, tant pis. Alors là on ferait 42, ouais. Déjà on va faire ça. On va allumer un petit peu là-bas. La priorité c'est de réussir à se débarrasser de ceux-là là. Qui font un petit peu trop mal. J'aurais bien voulu faire un petit peu de place cela dit. Il va falloir que on sacrifie un petit peu du tir, voilà, pour que eux puissent avancer. Allumez-nous cela. Ils sont pas tout à fait morts, mais c'est déjà pas mal. On va quand même pouvoir avancer. Toi tu recules. Ok, alors vous, 60%, ça doit le faire. Alors ça fait un peu chier. Mais c'est vraiment eux qui font le plus mal, hein. Les Termagant avec leur lance-crâne là, on peut éventuellement les gérer. Là on a une petite grenade qui est jouable, c'est parti. Voilà, parfait. Qui c'est qui pourrait éventuellement avancer un peu? Ah, tu peux... On est coincé par cela là.
Tourne-toi, toi. On peut essayer de se faire cela avec le 55%. Voilà, ça nettoierait un petit peu, c'est pas plus mal. Ça va permettre de foutre Carleon devant pour tanker un peu, peut-être même faire Kinder aussi. Parfait, on va le tourner par là. Voilà, on va protéger un petit peu les unités qui sont à l'arrière. Ça fera pas de mal. Alors ici la question que je me posais, c'est ouais, on peut complètement faire ça avec eux. Donc on pourrait atterrir là et leur cramer la tronche. Hop là, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Donc toi du coup on a dit tu vas plutôt revenir. On va avancer avec nos unités. Pour l'instant. Ah non, eux j'avais que je les envoyais là-bas, bon tant pis. On va envoyer sur Verity, c'est pas grave. Tech Marine il reste là, toi tu vas là-bas. Les Hellblaster ils vont à l'arrière. Toi tu vas mettre un petit coup de heal là-dessus. Hop. Voilà, et t'avances. Pareil pour vous, pareil pour toi. Et toi du coup, ce que tu vas faire hein. Alors, là on a 92%, c'est parti, on allume ça. Un de moins, il y en a pas mal ici. Pardon, il y en a pas mal ici à nettoyer. C'est plutôt cool. Coup de tronçonneuse dans le nid là. On avance. On vérifie, on a pas planqué dans les coins là. Hein, non. Donc il y en a un là et un là. Et après, elle pourra revenir. À nous, qui c'est qui reste à jouer? Toi. C'est pareil, c'est parti, nettoie-nous ça. Là, avec ta portée assez faible. Ah oh, mais il y en a un autre devant. Allez, allez-y. On est que à 40% de rien, il y a quand même un sacré... Il y a un truc caché derrière là ou pas? Non. Par contre on pourrait monter dessus visiblement. Il semblerait. Peut-être avec un petit booster. À garder en tête, il y a peut-être des nids en hauteur. Bon, je pense pas qu'ils les ont mis en hauteur parce que ça serait un petit peu. Un petit peu abused, n'est-ce pas? Hop, là on a une bonne portée. On couvre. Vous pouvez plus rien faire. Toi, tu peux venir ici. Vas-y. On a plus personne. C'est parti. On va encaisser un peu. Ah, ici, il y a des petites saloperies qui étaient planquées dans un coin. Elles essayent de passer, donc une petite tatane, ok, très bien. Carleon encaisse. Cool. Ça lui fait vraiment rien ces trucs là. Clairement bien fait de le mettre devant. Trois unités qui gâchent leur tir sur lui et qui lui font que dalle. Ok, on dirait que ça se calme. Ouais, ça c'est pas mal ça. Voilà, on a quasiment tué les deux, on va le finir. Voilà, parfait. Il y a une zone de contrôle de ceux-là, donc on va leur cramer la tronche. Il y en a un qui a survécu, parfait. Pas de bol. Avance un petit peu toi, ici. On va être capable d'aller par ici avec eux. Vous allez avancer un petit peu. Nettoyez-moi un peu tout ça. Ok, il en reste
vous allez là maintenant. Ah, eux ils ont gagné leur truc. Ah bah c'est parfait, on va leur donner un point d'action supplémentaire. Et ils vont pouvoir finir de cramer la tronche. Voilà. Ça les débloque du coup. En avant. On va couvrir un petit peu nos amis Hellblaster. Même si vous êtes quasiment mort, vous n'avez pas couvert grand chose, c'est pas grave. Alors, il faut nettoyer. On peut carrément nettoyer ça là. Ici, on va finir lui. Et lui. Et on avance. Alors, vous, vous pouvez pas avancer plus, donc c'est vous qui avancez. Tac. On va activer le petit bonus. Et c'est parti. On était un petit peu loin du coup, il en reste quand même quelques-uns à nettoyer, 51% de chance là. On pourrait avancer lui pour gagner une case. C'est pire, parfait. Trop de monde devant, 65% c'est acceptable. Voilà, ok, ici c'est tout nettoyé, il n'y a plus que ces trucs là à buter. Parfait. Lui aussi il a gagné son impulsion. Alors on va s'occuper de Sœur Vérité tout de suite, ça sera fait. Hop. Le petit coup de tronçon. C'est dommage, ça donne pas d'impulsion. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et on avance. Et avec celui-là, ça fera 50% normalement de fait. On va envoyer le Dreadnought en éclaireur. Des fois qu'il déclenche des trucs. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme, il n'y avait rien de planqué. Parfait. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller dessus? Non, ils peuvent pas aller dessus. On est fixé comme ça. Alors, il y a sûrement des gens à soigner là. Il y a eux. Ouais, il y a eux. Donc, toi, tu peux aller ici et leur mettre un petit soin, ça fera pas de mal. Il va falloir faire jonction avec les autres parce qu'il y a besoin de soigner de l'autre côté aussi. Hein. C'est ça qui fait que je trouve pour l'instant là. Les sœurs de bataille sont pas viables. C'est que leur bonus pour. Pour avoir des dégâts supplémentaires et gagner de l'impulsion quand ils prennent des dégâts, c'est vachement bien. Sauf qu'on a tellement pas de heal que c'est juste pas viable dans le temps quoi. Ok, on est à 52%, c'est parfait. Avancer un petit peu, on peut tirer là-dessus mais on sait tout naze. Donc on va couvrir. Toi tu vas en profiter pour avancer une caisse de plus. Ah lui aussi il a gagné son truc de plus là. Pour l'instant on va devoir perdre un petit peu d'impulsion. Vous allez avancer. Rien faire d'autre, comment ça se fait? Ah oui, vous avez cramé des gens, je ne sais plus. Ici, on va faire de la place. Voilà, on se retourne. Ok, on commence à le nettoyer ce foutu nid. Il y a du renfort. Putain, ils vont tirer avec leur saloperie eux. Ok, ça va. Par contre, c'est un petit couloir d'une case, c'est un peu chiant.
Ils sont beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Ici, par contre, on pourrait faire le taf. Hein. Activer ça. On va aussi leur donner ce bonus-là. Allez, les gars, c'est la vengeance. Bam! Mange. Ici, par contre, il y a ce truc-là qui nous gêne aussi. On va aller devant avec Carleon. Là, on va se mettre par ici. On va essayer de diminuer ça. Ça fait le taf. On se planque. Vous, vous allez par là. On va laisser votre place aux copains. Qui sont un petit peu moins efficaces, mais quand même. Parfait. Mettez-vous là. Alors, les Hellblaster, si je les mets ici, qu'est-ce que ça donne? 82% pour allumer eux. C'est pas mal. Ça fait de la place. Voilà. Carleon, il va couvrir. Notre escouade d'assaut qui a un petit peu souffert. Il y a une autre porte à ouvrir ici. Encore une porte à ouvrir là. Ok, on va faire jonction là, c'est parfait. On va s'occuper de toi. Vas-y, mets un coup de trousseau. Et après tu traces. On n'a pas oublié hein. Non, c'est bon. Ici, ouais, on est quasiment à faire jonction. Hein. Allez, en avant. On va envoyer eux qui sont quand même plutôt rapides devant. Vérifier qu'il n'y a rien derrière là. Si je me tourne. Non, il n'y a rien derrière. Parfait. Allumez-moi ces nids. Heureusement qu'ils font pas sortir des trucs régulièrement. Enfin, cela dit, j'en sais rien, ça se trouve. Les monstres qui viennent sortent régulièrement de là. A priori, non. Alors, toi tu peux pas aller assez loin pour le soigner. Bah, peut-être que si on bouge du monde, ça serait jouable. Là, on passe devant, il y a un temps d'arrêter d'être derrière. Ah, dommage, il nous manque un point d'action pour soigner. Du coup, on va laisser tomber pour l'instant, on a surtout besoin qu'il soit devant pour. Pour aller soutenir ceux qui sont là-bas, Sir Verity, elle est pas en danger immédiat, on va dire. Alors, qui reste à jouer ici? Il y a lui, il y a lui, il y a eux, mais on va les avancer. Ça, on va faire une couverture. Ici, pareil. Toi, pareil. Alors, toi, t'as une capacité supplémentaire. Si on pousse cela, tu peux aller jusqu'ici quand même. Vas-y. Il peut utiliser sa capacité avec un petit peu plus de patates. 75% de PV, 3 d'armure, moins 20% de dégâts de mêlée reçus. C'est pas mal, on va le mettre sur Carleon, ça va l'aider. Et on va rajouter une petite zone de couverture, ça fera pas de mal. Ensuite vous, je vais me débarrasser de cette merde là, à coup de tronçon. Hop. Voilà, ça grouille de sang Xenos de partout. C'est un massacre. Voilà, parfait. On va leur enlever leur connexion synaptique, nous. Toi, histoire de pas perdre de d'impulsion, tu vas faire ça. Ah, mais il te reste encore un truc.
Tiens, il est pas complètement full life lui, soigne-le. Voilà, comme ça il a son impulsion pour faire peut-être un heal amélioré au prochain tour. Les petits sagouins, ils tirent à travers la porte. Là, il y a encore du monde là. Alors ça, c'est pas sa surveillance, a priori, c'est son axe tir en réaction. Ce qui veut dire qu'il se fait charger. Ok, on a buté 2. C'est pas si mal, 3 même, peut-être. Victory for the Black Blades. Victory for Skyfall. Allez, c'est parti. Fais de la place. Je sais, t'as des angles un peu merdiques, mais c'est comme ça. 96% pour toucher là, bah go. Oh, les bolters, ça fait le taf, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Allez-vous. Ah, vous pouvez pas attaquer avec la tronçonneuse sous cet angle. Dommage ça. Et ça, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Hein. Ouais, non, c'est trop faible. Tant pis, c'est pour toi, mon gars. Voilà. Alors, on avance un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on sait qu'ici il y a des trucs. Ils vont probablement nous arriver dessus aussi. Ici, il y a un nid à aller buter. Et là on a vraiment besoin de soins. Donc du coup on peut se placer par là. Ouais, carrément. Ah, le lance-flamme c'est beaucoup trop faible malheureusement, mais eux il y aurait peut-être moins qu'ils fassent des choses aussi. 80%, c'est pas mal. Alors là, va falloir y aller à l'usure, hein, très clairement sur eux, parce qu'on est très mal placé. On va pas ouvrir la porte tout de suite. Ok, ils sont presque finis. Est-ce que toi tu pourrais les finir peut-être? Ils vont aller se mettre en position par là-bas. Le Tech Marine y trace. Alors frère Arturo, faut que tu fonces aussi. Alors, tu vas te mettre là, balancer un soin. J'aurais peut-être pas dû envoyer lui, toi. Tu vas faire demi-tour, toi. On va se regrouper pour se soigner un peu. On va te laisser avec du renfort derrière pour t'aider, mais... Ici, un soin standard. Voilà, parfait. Là, on se replie. Alors, vous deux, vous allez rester par là, vous avez déjà tiré. Ouais, mais ils sont full life ceux-là, ils peuvent rester dans le coin. Hein. C'est eux qui devraient se replier, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ce tour-là. Allez, faut essayer de finir là. Si vous avez que 45%, il ne reste plus rien. Voilà. C'est pas si mal. Parce que eux, ils sont un petit peu dans le mal quand même. Hein. Il nous reste du monde à avancer. Go. Go. Et go. Sœur Verity, elle est où? Très loin derrière, mais elle rattrape petit à petit. Hein. Allez, couvrez la porte. S'il y a quelque chose qui se pointe à la porte, on l'allume. Pas facile, mais on l'allume. Toi, tu vas aller te préparer à soigner frère Kindar. C'est parti.
pense qu'ils sont coincés derrière la porte, les trucs qu'on... Les trucs qui restent, mais... On sait jamais, le guerrier était peut-être pas tout seul. Ah non, visiblement il y en a de ce côté-là aussi. Il va donc falloir faire un petit peu attention. Là on a perdu nos PV, mais visiblement il n'y a plus rien. Est-ce que ça vaudrait le coup de l'envoyer là pour terminer ce truc? Je pense qu'on va plutôt envoyer les intercesseurs. Alors toi, tu vas prendre ça. Allez bim, un bon gros soin, voilà, 80 PV, c'est parfait. Ensuite tu vas bénir les potes. Et on va ouvrir cette porte. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la zone? Encore du guerrier avec des saloperies, du gen stealer. Beaucoup beaucoup de petites saloperies. Et là ils ont un angle pour nous tirer dessus hein. Mais on pourrait se mettre pour les allumer quand ils vont se pointer. Le tech marine est où? Il est là. Vous venez ici, vous êtes dans le chemin. On avait entendu un truc ici, mais visiblement c'était une fausse alerte. Hop là. On se tourne. Donc là on pourrait le toucher, mais il est un petit peu trop loin quand même. On va avancer toi jusqu'ici. Là on a de l'Inceptor. Niveau angle, on va le mettre là. C'est parti. Ici on va pas se presser hein. De toute façon lui il peut plus soigner pour l'instant. Sir Verity se rapproche petit à petit. Du coup ça a l'air d'être plutôt vide de ce côté là. Donc on va aller nettoyer là-bas. Détruire ce petit nid qui est derrière là. Voilà. Hors de portée, dommage. Avance d'une case encore. On va envoyer frère Kinder filer un coup de main. De toute façon on est trop trop serré là-bas. Faut vraiment... On va faire le tour avec eux. Hop. Toi, du coup, tu allumeras lors du prochain tour. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Ça peut aller très vite là-bas, ça. Alors, c'est parti. En surveillance. Alors vous, est-ce que vous avez moyen de le toucher? 37%, c'est complètement naze. Beaucoup trop de couverture, malheureusement. On va avoir une précision merdique, hein, c'est pas grave, hein, l'objectif c'est de faire le plus mal possible. Même si ça fait rien. Toi tu peux rien faire, on a tous joué, c'est parti. Après c'est le risque, qui bouge pas. Normalement il devrait avoir une précision assez mauvaise, ouais, voilà. Et là ils avancent quand même. Ça c'est bon ça. Bon, j'aurais préféré qu'ils avancent avant de tirer bien sûr, mais tant pis. C'est quand même du tir gagné. On va clairement les défoncer. Voilà. Ok. Tout le reste c'est du corps à corps, donc on pourrait les allumer de l'extérieur. Là on a des angles de merde, hein. C'est normal qu'on se rate.
Allez. Ce truc qui moitié respire, c'est horrible. Allez, on revient, Carléon, en avant. 84%, il reste plus que cela. Hein. 86, 90. Ah, il n'y en a pas assez. On aurait oublié un quelque part, non. Non, on verra, on verra. Il y a peut-être que les derniers qu'on trouve un petit peu plus. Je crois que c'était 4 par truc, mais je suis pas sûr du coup. Ouais, nos chances de toucher sont quand même vraiment mauvaises, hein. Il faut en face, c'est mieux. Viens là, toi, on va mettre le tank devant, y'a pas de raison. Allez, on active. Voilà. C'est parti. T'aurais pu tirer sur l'autre, tu l'aurais fini, c'est dommage. Ça c'est pareil, c'est peut-être un petit peu abusé. Utiliser cette arme là, on a plus de. On a plus de lance-grenade, mon go. Ouais, 150 PV pour. Putain, celui à qui restait 2 PV, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Là on a que 50%, mais c'est mieux que rien. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de tirs, ça fait quand même bien plaisir. Allez, en avant. Petit à petit on les diminue, ici on a 63, là on voit rien. Si je les mets là, j'ai des doutes vu la quantité de monde qu'il y a, mais il y a quand même une... Ah, on pourrait même caler une grenade. Ouais, mais ça fait que 35 de dégâts, non, c'est naze. 52% à cause de la couverture complète. On fait quand même mal. On pourrait reculer avec eux. Et venir tanker avec ceux-là. Qui seront plus adéquats, je pense. À nous. Tout à tirer déjà. Ici, il faudrait que vous veniez là. On va les soigner. Bien souffert quand même à nos marines sur ce combat. Tant pis, ils ont vraiment pas assez de vie aussi. Ça joue. Pousse-toi, toi. Laisse la place à celui-là, il est capable de tirer au moins. Enfin, si on veut. Derrière une couverture complète, il y a trop de. Il y a trop de gens devant. Tant pis. Là, par contre, on est capable de tirer. On va mettre une couverture ici. Alors, toi, t'avances. Vous, vous avancez. Vous, vous avancez. Toi, t'as fait ton taf. Il reste eux. Pareil, on va couvrir. Ici, on couvre aussi. Et il reste Sœur Verity, hein, qui les a rattrapés, mine de rien. Je t'ai pas demandé de te mettre en couverture, j'ai mis ce clic. Allez, c'est parti. Charge les petits connards. Ce petit ralenti, ils sont nettoyés.
c'est mieux là. La réaction à la tronçonneuse, hein, ça fait plaisir. Ah, par contre, ils vont souffrir là. Ouch. Bon, heureusement que c'était eux et pas les intercesseurs, mais ils ont quand même douillé. Alors du coup, ah, ils ont une capacité améliorée. On peut utiliser quoi comme capacité ce truc-là? 3 de mouvement ou tactique d'assaut? Non, du coup, on va plutôt prendre quelqu'un d'autre, voilà. Et on prendra l'action supplémentaire. On va leur cramer la tronche. L'objectif, c'est d'essayer de faire de la place. Ouais, c'est vraiment trop faible face à eux. Voilà, ça c'est beau ça. Allez, finissez-nous cela. Parfait, en avant, on rentre. On se déploie et on allume ces foutus trucs. Bim. Vous avez tiré. Vous avez tiré. C'est parti. 88, 92. Donc il m'en manque bien un. Merde. Où est-ce qu'il est? J'avais bien compté, il m'en manquait un. Là, c'est bon. Alors ça, c'est toujours le problème avec ce genre de mission, hein, c'est que le petit machin planqué dans un coin qu'on a raté, faut le retrouver après. Ah, franchement, je vois pas où, hein. Ces deux-là, on les a nettoyés. Là, c'est bon, là, c'est bon. Alors, je me doute que je suis sûrement passé dessus et que quelqu'un est en train de hurler devant son écran. C'était là, c'était là. Mais moi, je ne vois pas. Je vois rien que j'ai raté. Merde, où est-ce qu'il est? Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Alors il y a un bug. Ah putain, il y en a un là. Il est là. Il est planqué ici. Parfait, on peut se le faire direct. C'est nickel. Allez. C'est sûrement la dernière de saleté. Avez-vous besoin de repos, sœur? Oula, il va se faire une tarte lui. Vous ne demanderiez pas cela à vos frères. Venez, nous devons aller jusqu'au noyau pourri de ce factorum. Nous allons le nettoyer à la flamme et à la lame. Bah ouais, tu dis pas ça, une sorte de bataille quoi. Est-ce que vous êtes fatigué? Bon, et bien une mission, ma foi, sympathique, ça change un petit peu. Et on a plus de place dans notre armée. Alors je pense qu'on a débloqué toutes les unités possibles. Je suis pas sûr à 100%, mais... À mon avis, c'est le cas. On pourrait prendre un scepter de plus. Un petit Hellblaster, sinon les sorts de bataille, ils sont vraiment pas le niveau, quoi. Un scepter ou un Hellblaster? Un Hellblaster. Bah, je crois que j'avais augmenté, mais... Ah non, c'est pas le nombre d'armées, c'est la limite de points qu'on a augmenté. Ah bah c'est parfait, on va pouvoir déployer plus de trucs. Avec des armes lourdes. Des armes lourdes 2. Notamment notre petit Inceptor qui était au bolter d'assaut là. On doit le placer au plasma. On va tester l'incinérateur lourd à plasma, tiens, pour le plaisir.
Allez, on va faire les points d'XP et après on arrêtera l'épisode. Alors, on peut avoir des pistolets infernaux pour les escouades d'assaut. Une attaque, 30 à 40 de dégâts balistiques, perforation d'armure 6. Ça pourrait être sacrément fun. Et ça ferait bien mal en plus. Là on a quoi? Grâce de l'ange, épée de sanguinus, le marteau tonnerre. Plus 10 PV pour les intercessors. Ah, on a débloqué le fusil bolter pour les intercessors, je me souvenais pas, tiens. Ah si, non, pardon, je confonds avec les agresseurs. Ouais, du coup, non, les intercessors 10 PV, c'est pas très utile. Et pour l'instant, ils prennent pas trop cher, ils sont bien à l'arrière. 1 d'armure, veste dégâts à distance pour les unités, pour les agresseurs. Ouais, voilà, c'est eux qu'on s'en fout un peu de leur vie. Hellblaster, plus 1 de perforation de résistance, plus 10 de critique. Ça, c'est pas mal, ça. 20 PV pour les unités QG. Ok, pourquoi pas. Et 10 PV pour tous les Blood Angels. Ça, c'est pas mal, ça. Ça nous coûte cher, du coup, mais on booste le PV de nos héros, et en plus, on donne plus 10 de PV à tous les Blood Angels. J'aime bien l'idée. Il nous reste 4 points, on peut prendre des trucs. Plus 20 PV pour les unités mécaniques. Plus 10% de PV pour les marines d'assaut, les compagnies de la mort. On n'a pas encore les compagnies de la mort. Hein. On va prendre ça. On va se focus un peu sur les PV là pour changer. Il nous reste un point. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à un point qui nous reste à prendre? Je pense pas. Non. Non, non, non. Et ça, c'est toujours bloqué aussi. On confirme et on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.